Ici, 35 personnes se partagent 4 appartements. Des familles de migrants albanais, parmi eux beaucoup d'enfants et même des nouveau-nés. Tous vivaient au bord de la Garonne sur l'île du Ramier. Ils sont venus mi-décembre suite aux pluies diluviennes de cet automne. Chaque jour, c'était très difficile. Pluie, froid. Chaque famille s'est construit un abri de fortune. On dormait sous la tente. Près de la rivière, avec de la boue. Oui, c'était une catastrophe. Comme Nicolas, enseignant et habitant du quartier se relaie. Objectif, assurer une permanence et organiser la vie communautaire. Pas de chauffage central, mais le comité de soutien a rétabli l'eau et l'électricité. On voit que c'est un minimum de confort et de dignité pour dormir et se reposer pour les familles. C'est des familles qui sont sans ressources, donc ça a été un énorme travail, mais qui avait commencé déjà quand on suivait ces familles-là au moment où elles étaient sur le campement à l'île du Ramier, d'apporter de la nourriture, des couches, des vêtements, des meubles, parce que les logements étaient vides. Aujourd'hui, migrants et bénévoles manifestent devant la préfecture. Ils sont inquiets. Le conseil régional propriétaire du bâtiment a saisi le tribunal administratif. Et depuis ce week-end, les familles sont expulsables à tout moment. Le dossier est entre les mains de la préfecture et on veut que ces familles soient relogées de façon pérenne et pas dans des hôtels. C'est-à-dire qu'elles veulent partir s'il le faut, mais dans de bonnes conditions, voilà, qu'elles soient accueillies dignement. La moitié des familles a demandé leur retour en Albanie. Conséquence, il ne reste qu'une douzaine de personnes à reloger.